Bon bah du coup il nous reste, enfin on est à 30 minutes, encore 10 minutes ce serait assez sympa. On va aller la personnaliser un petit peu. Enfin pas personnaliser mais améliorer plutôt. Donc on va aller dans la zone avec les niveaux les plus élevés, à savoir la côte est. Et on va se mettre des petits défis histoire de monter la spec de notre bagnole. Alors, on va faire les trucs de fuite. Qu'est-ce qu'il nous propose? Niveau 41, vous n'avez pas un peu mieux que ça? Là, 45, un moteur niveau 45, c'est pas mal ça. On va y aller. Ah non, mais laisse tomber, c'est dans la terre. Donc, filtre, on va prendre des... On va faire déjà les sauts, parce que c'est les choses les plus simples. Et voilà, par exemple, suspension niveau 45, bah, je les ai déjà. Donc, les sauts, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que je fais, moi, pour monter mes voitures, personnellement. Attendez, on va prendre des trucs de rapidité. Voilà, ligne de course, non, destruction. Slalom et vitesse, je trouve que c'est le mieux pour augmenter. Là, 41, 45, voilà. Ça, c'est très bien, ça. On va faire ça. On va analyser le terrain pour avoir la route la mieux. Vous voyez ce que je vais dire par là. C'est que je préfère voir à l'avance où je vais. Par exemple, une bonne idée là, c'est de aller tout droit et de prendre à droite sur l'autoroute quoi. On va tester ça. C'est parti. Je sais pas si... Alors j'ai pas encore joué au clavier, faudrait peut-être que je teste une fois. Alors là le but c'est de rester sur la route et de pas toucher les voitures. Voilà, sinon ça baisse votre multiplicateur et je fais n'importe quoi. Heureusement que je me le dis à moi-même, hein, parce que... Heureusement que je suis tout seul. Enfin, heureusement que... Non, en fait, non. Enfin, heureusement que je suis pas tout seul dans ma tête, je veux dire. Parce que sinon, il y a plein de trucs que je ferais tellement mal. Ah, putain. Super chaude, cette course. Enfin, elle est super chaude. Je suis vraiment nul. Voilà, rectification. Bon, on va pas vivre... Ah! Un mec en ligne! Alléluia! Merde, l'autoroute était au-dessus. Donc, il y a rien à faire. Attendez, on va voir l'or quand même. Non. Oui, je l'ai eu. Tac. Un mec en ligne. Incroyable. Ça y est, ils existent. Ce n'est donc pas une légende. Oui, j'ai craqué, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je peux gagner. Bah oui, oui, oui. Là, oui, je dis oui, là. Je dis oui. On va prendre un peu d'élan. Avec notre voiture qu'elle a... Que le sauce wag. Putain, vous arrêtez de m'envoyer les messages, bordel! D'accord, les mecs, ils ont réussi quand même à s'attirer toute la police du monde. Alors, on va bien faire marcher le multiplicateur. L'important, c'est de ne pas toucher d'obstacles. Que ce soit mur ou voiture. Très bien. Alors, là, on va freiner un peu quand même, parce que... Oh putain! D'accord, je pensais qu'il freinerait plus. Ah, laisse tomber. Aïe 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 aïe. Chérie, j'ai garé la bagnole. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez la monnaie. Hop. Bon, alors elle a une moins bonne tenue de route que ce que je pensais avec une grande vitesse. Cette vidéo va... Ouais, je pense que je vais peut-être couper la vidéo en deux en fait. Et du coup je vais faire une plus grande vidéo. Oh, je roulais sur la route. Bon, tant pis, j'aurais pas l'or. Ah, je suis pas loin. Hein. Non mais tant pis, ça suffit. Là, moi je suis content. Je suis content. Putain, c'est assez rare de voir des gens. Enfin, surtout chez moi. des freins. Attendez, c'était quoi tout à l'heure les... C'est des fuites qu'on avait. Ça va aller très bien. Non, c'est de la merde. Voilà, ça va aller très bien. On va essayer de les inviter dans le crew, on va voir ce qu'ils disent, et puis on va essayer de balancer une mission. Ah, je sais pas, faudrait tester.
Bon, je la monte juste comme ça. Après, je pense qu'on va prendre une autre voiture pour la mission que j'avais envie de faire. Je sais pas, faut voir. Ouais, si, je sais l'autre voiture qu'on va prendre. Je sais très bien, en fait. En tout cas, je trouve que cette voiture a vraiment la classe. Son design, il est cool. Surtout, en fait, je crois que ce que j'aime le plus, c'est les roues apparentes. Je trouve ça tellement classe. En fait, on dirait un espèce de... Je sais pas, de buggy. Mais fermé, quoi. Ah, tant pis, on n'a pas eu l'or, mais bon, ça ira très bien. Voilà, bon, on a amélioré un peu la voiture. Vous voyez que ça peut se faire très vite quand on a débloqué les dernières zones. On va quand même essayer, on va quand même les inviter, on va voir. On va aller là, on va leur faire un petit coucou. On va prendre la voiture que je voulais montrer en full stock et ensuite la RUF ou RU. Car j'aime bien cette voiture, mais le problème c'est que je me suis dit waouh, elle a déjà 370 km/h de vitesse max en full stock. Je me suis dit, en perf, ça doit être une tuerie. Alors, ouais, c'est une tuerie. Sauf qu'elle va moins vite en perf. Elle va plus vite en full stock. Donc, vous voyez quand même qu'elle déménage pas mal. On est déjà à 300 km/h, là. Il n'y a pas de boost, hein. Là, par contre, voilà. Mais elle est quand même assez rapide, hein, il faut le dire. Oula, oula. Putain. Je sais pas si vous avez vu, il y a un poteau, qui a un plot qui est parti dans l'hyperespace. Il est sorti de la dimension XY. XYZ plutôt. Oh, le bank bus magique. What the fuck. Voilà. Très bien. C'est tout pour moi. Il est où? Ah non, je suis de nouveau seul. Dites-moi qu'ils ne sont pas partis. Ah bah voilà. Alone. Always drive alone. Thanks, Ubisoft. Voilà. Bon, j'arrête de troll. On va prendre la voiture que je voulais montrer, une de mes voitures préférées que vous avez vu au début d'ailleurs. Tuc, 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 perf, perf, perf. Là, bien sûr, on a. Voilà. Et là, le saut, le swag. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas. Enfin, c'est. Ouais, c'est quasi ma préférée, je pense. Bon, même si elle a une conduite assez nerveuse, capricieuse plutôt. On va faire les missions de faction que je vous ai dit là. La balise par défaut. Voilà. Alors, moins de 10 minutes, c'est censé durer. Impossible. Ah d'accord, notre voiture est trop basse. Alors, quelle voiture est assez haute pour faire la course? On va voir, hein, jeter un coup d'œil. Garage mobile. Ah bah y'a que l'Alfa Romeo. Ah triste. Et ben vous savez quoi, on va faire une autre course du coup. On va faire une course circuit. Et oui, je vous ai pas encore monté le circuit. Mais elle est là. Ma voiture préférée. Mon style ultime. Qui est vraiment classieux. Je suis juste une pause encore pour être sûr que le son est bien. Voilà. Allez au désert de Mojave. Ou Mojave, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est parti. Et on va se donner un challenge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire en vue intérieure. Allez, c'est parti. Alors, le but de la mission, c'est d'arriver. Donc, je crois que la durée, elle doit durer 14 km. C'est là ce que je me souviens. Et faut arriver entier. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Hein. Oh, et en plus, on a du classique. C'est magnifique. Et franchement, mais la voiture... Alors, tant pis, vous la verrez après, mais... Qu'est-ce que j'adore le design, c'est un truc de fou. Hein. Et encore, j'ai pas vu toutes les autres parce que je sais qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie de voir, genre la Mustang. Bon bah la GT, elle doit être magnifique. Elle doit être magnifique, mais la Mustang aussi, la. Ouais, c'est Mustang GT, Mustang normal en fait. Je sais pas pourquoi je dis Mustang GT. Ouais, si c'est ça aussi. Ouais, je sais plus. Osef, il y a la Ford GT et la Ford Mustang que j'aimerais bien voir. La Dodge doit être sympa. La Nissan, ça doit être une jolie voiture de course bien tunée, quoi. Enfin, de course, quoi. Ça doit être vraiment une belle bagnole. L'Alfa Romeo doit avoir son style aussi. Et ensuite, je crois que le nombre de spécificités différentes, si on les compte à part entière,
je crois qu'il y a 147 voitures du coup. Dans ce, enfin voilà, vous avez compris comment je compte. Du coup, je me dis, bon, le travail est quand même bien effectué au niveau des trucs de montage et tout, enfin de montage de tuning et tout. Aïe, 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 bon, tant pis, j'aurais pas fait le perfect. Ouais, donc il y a quand même pas mal de complexité quand même dans la conduite. Enfin, moi j'adore la conduite, il y a des gens qui n'aiment pas, apparemment j'ai vu sur internet. Et moi je surkiffe. Oh putain, j'en ai marre, je crois que je vais jeter mon téléphone par la fenêtre. Attendez, bougez pas. Voilà, très bien. Alors, faudrait que j'en rachète un, hein. C'est pas grave. Le mec il a aucun respect pour ses... Non, 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 ah, non, 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 oui, 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 reviens. Voilà. Très bien. Parce que, comme on est en hardcore, je sais pas si ça le fait, si c'est à cause du hardcore ou si c'est juste parce que je suis déjà quand même à 380 km/h, ce qui est énorme. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais dès que j'active le boost, elle commence à partir en dérapage. Donc, oula, oula, non, 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 très bien. Ah, j'ai eu peur. Alors, 8 km, putain, ça avance pas. On... Quoique, ça avance pas, tu me diras, j'allais dire, on va plus vite, on va aller plus vite, mais je crois qu'on peut difficilement aller plus vite quand même. C'est, je sais pas combien est le record réel. J'aurais dit 350, mais ça me paraît une grosse connerie. Bah non, c'est une grosse connerie. Ça doit être 430, je crois, le record du monde. Je sais même plus. Je sais même plus. Ça se trouve, je dis de la grosse merde. J'avais regardé une fois, il y a pas longtemps, mais... J'ai zappé. Alors, on va arriver dans la phase de la course qui est assez chiante. Enfin, de la course. Du parcours. Qui est assez chiant. Oh, putain. Le vieux freeze pourri, pourri des familles. Alors, attends. Ouais, j'aime pas ce bout de course parce que la voiture de... Wow, de circuit, elle est pas faite pour déraper. Et normalement, ces petits virages... Casse-toi! Putain, ma vie, ma vie! Et normalement... Ouais, avec une bonne voiture de perf ou de street, là, il y a des bons dérapages à faire. Et celle-là, en fait, c'est beaucoup plus une voiture qui a une bonne conduite. Hein, et où faut mettre un bon coup de frein et ensuite tu réaccélères. Mais bon, là elle, parle plus de... là, elle part en drift, et quand elle part en drift... Putain, je vais me taire parce que j'arrive plus à parler. C'est un peu dur de les récupérer à l'arrivée. Putain, j'ai mal à la gorge, je parle trop. Je vais fermer ma gueule un peu, je vais vous laisser apprécier. Putain, la musique derrière. En fait, de conduire doucement, c'est plaisant aussi. Je conduis tout le temps au max, mais d'essayer de rester sur la ligne, par exemple, c'est assez plaisant en fait. T'éprouves un plaisir à compléter la route, c'est assez fou. Oui, bien sûr, les gens qui n'aiment pas les jeux de voiture, ils vont pas aimer du tout. Hein, mais je veux dire, c'est une question qui se pose pas. Hein. Enfin, je connais des gens, des fois, enfin. Par exemple, le lycée, ils me disent « Ouais, moi, j'aime pas les jeux de voiture. D'ailleurs, j'ai pas aimé le dernier et tout. » Ils y jouent, mais ils l'aiment pas. Ils aiment pas les jeux de voiture, mais ils jouent quand même un jeu de voiture. Alors ça, faudra m'expliquer. Bon, ça, c'est un autre délire. Et on a fini la course. Donc, c'est 8000 pépettes qui vont aller directement dans ma poche. Ça, c'est cool, parce que les missions de faction vous font vraiment gagner beaucoup d'argent. Putain, on est bientôt niveau 50. Voilà. Voilà la beauté, quand même. Je voulais pas montrer, mais... Oh. Putain, regardez-moi ce style, quoi. Il y a plein de gens qui vont pas aimer, je pense, parce que toujours, quand on change des choses, c'est mitigé. Mais le style de la voiture, il est énorme, quoi, pour moi. Oula, oula. Pour moi, c'est magnifique. Hein. Voilà, même que je dérape, j'en ai rien à foutre. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tiens, faire un petit dérapage. Voilà, bah, laissez tomber, le dérapage, je le gère pas du tout. Avec ces voitures, le fait est qu'elles partent trop. Je sais pas comment il faut faire vraiment pour avoir un bon dérapage. Oh, j'ai envie de faire une connerie là. Ah merde, non, il y a un muret. Pas grave, j'y vais quand même. Non, bon, c'était complètement raté.
Alors, j'ai encore quelques trucs à vous montrer, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader dans une zone que j'aime bien. Je cherche une zone que j'aime bien. Je crois que cette zone est sympa. Là, les mines. On va prendre une voiture de dirt et on va s'amuser un peu. Cette vidéo, ouais, elle va être en deux parties, je sens. Et de très fortes chances. Oh là, c'est une corvette devant ça. Là, par contre, je bug dans cette zone, c'est assez impressionnant. Mes FPS sont passés en dessous des 30 là. Je sais pas ce qui se passe, je crois qu'on va pas rester là en fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu des trucs de street, vu que je n'ai pas encore trop fait. J'avais pris la Raptor, dont je me suis pratiquement jamais servi. Ce qui est un peu triste au final. Voilà, donc la Ford Raptor. Jesus Raptor. Raptor Jesus. Open the door, get on the floor. Everybody want the dinosaur. Voilà. Dédicace. Putain, c'est un char blindé. T'as l'impression de conduire un putain de char avec du boost. C'est n'importe quoi. Allez, petit coupure. Merde, il est où le bouton? Sinon, il y a toujours celle-là, hein, que vous connaissez, que je vais montrer pendant la bêta. D'ailleurs, je vais complètement rater mon saut, étant donné que j'ai pas de vitesse. Ah, argent, quand même. Ah non, bon. What the fuck? Ah bah oui, c'est vrai que je l'ai pas du tout amélioré, celle-là. J'avais complètement zappé. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà, donc j'essaie de vous montrer un peu toutes les voitures, hein. Bon, finalement, cette zone est un peu chiante. On va aller dans New York directement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à vous montrer d'autre? Est-ce qu'il y a une voiture que je vous ai pas encore montrée? Ah, il y a celle-là, pourquoi pas, hein? Attention, Kiki Tuning Edition! Voilà. C'est quand même bien stylé. Ça va. Elle est un peu spéciale, cette voiture, parce qu'elle n'a pas une super accélération, je trouve. Mais elle a une conduite assez précise en fait. Elle part pas en dérapage, alors qu'avec certaines voitures, genre la RUF, putain, vous partez en couille, c'est assez. C'est une des seules avec qui on peut faire des dérapages assez, je trouve, assez propres. Tac, tac, tac. Bon, on va couper la musique classique, là, ça va quand même. Il y avait une radio, je vais peut-être jeter un coup d'œil après, mais il y avait une radio que j'aimais beaucoup. Je sais plus laquelle c'est, radio perso. Ah, on peut mettre les radios perso. Ah, c'est cool ça, je vais pas le faire encore. Je sais plus. Ah, c'est celle-là. J'avais mis ces musiques. Putain, je crois que j'étais dans le désert le matin vers la vallée de la mort. Et je crois que je jouais à 2 h du matin, quoi. Et putain, j'étais en vue intérieure comme ça. Je voyais le soleil se lever et tout. Putain, je me suis dit quand même, c'est beau. Aïe, ça c'est moins beau. Je viens de déboîter la bagnole. C'était vachement cool quand même comme impression. C'était assez stylé. Oula merde, c'est pas celle-là que je voulais. C'était l'autre. Ouais, je vous ai pas montré la SS. Bon, vous, après vous verrez, hein. C'est juste que. Voilà. La voiture de Transformers, comme beaucoup l'appelleront. Moi, c'est ma voiture préférée. Donc voilà. Vraiment un charme, je trouve, c'est stylé. Ouais, c'est classe. C'est classe. En parlant de désert, quelque chose me dit qu'on va aller dévaler une montagne. Celle-là, je l'aime bien. Après, on fera un peu de ski. Bon, bien sûr, j'ai pas la bonne voiture. Alors, j'ai deux raids. L'occurrence, on va prendre la SS, qui a quand même aussi grave le style, je trouve. Putain, on dirait une voiture, mais... Oula, attendez. Petite coupure. Voilà, donc je disais... Qui a quand même aussi un style assez bien. Waouh. Bon, si le son est dégueulasse sur ce morceau, c'est normal. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, par contre, j'aimerais bien mettre le jour. Est-ce que c'est possible? Oh, c'est pas grave, on mettra le jour plus tard. YOLO! Waouh, en vidéo, ça bug. Hein. C'est parti! Wouah!
Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'en multi, mais ça doit être juste énorme, quoi. Putain, je suis dégoûté de, quand même de pas pouvoir avoir pu jouer avec le multi, parce que... ça devait être vraiment cool, quand même. Waouh, 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 waouh. Où va-t-il? Quoi? Waouh. Waouh. Ça, si c'est pas de l'accident... Putain, la vidéo, elle a dû tellement bugger, je suis passé à 17 FPS, quoi. Yolla! Oh merde! Allez, j'ai juste fait une vrille. Alors ça c'est chiant, je vais peut-être envoyer un... dans les forums du jeu, parce que... pour dire que... enfin, la cinématique, quand elle se casse, la bagnole est tellement fréquente. Quand vous faites un peu de raid, des fois c'est super chiant, quoi, parce que... dès que vous faites un petit tonneau, même si vous retombez à l'endroit, hein, dès que vous faites un petit tonneau ou un backflip, bon, ce qui est quand même assez déjà improbable, vous avez la cinématique qui se déclenche même si vous retombez à l'endroit. Et ça, c'est un peu pénible. Je sais pas s'il y a moyen qu'ils peuvent qu'ils puissent le changer. Mais voilà. Oula. Ça, c'était un arbre. J'avoue, là, je concède. C'est violent. On va faire un petit tour à Salt Lake City. Pardon. Salt Lake City. Pour retrouver l'endroit... attendez. Voilà. Non. Là. Où j'avais commencé la première vidéo de The Crew que j'ai pu faire sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture pour y aller, tiens? Qu'est-ce que j'ai? Ah, prendre la Mustang. Elle est où? Elle est là. Il y a aussi Mustang, la Mustang Fastback qui est vraiment stylée. Je sais pas si vous avez... bah, dans le trailer, vous avez eu l'occasion de la voir dans le trailer de lancement du jeu. Et je crois que j'ai raté la bretelle d'autoroute. Comment on fait là? J'ai trouvé une solution. Putain, les zones enneigées, j'y suis pas trop allé encore pour bien me les réserver. Bah oui, oui, je défonce des plots, vous allez m'arrêter, c'est ça. Ouais. Voilà, tu me vois déjà plus. C'était une illusion. Cette fois, on rate pas la sortie. Si sortie il y a... ah non, non, il n'y avait pas de sortie en fait, c'est moi qui rêvais. Bon, soit. Voilà, défi destruction. Tu me prends la Nissan. La Nissan. Et tu me gravis cette colline. Oui, c'est pas une colline, mais... enfin, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment je rentre là? Je me suis fait baiser là? Comment ça marche? Marche arrière, attention mesdames. Putain, regardez derrière, c'est vachement stylé. Voilà. Voilà, voilà. J'essaierai de voir ce que je peux donner au niveau cinématique. Est-ce que si je peux faire des trucs, je verrai. En enlevant peut-être tout le HUD et si un jour mon PC décide de bien fonctionner. Oula. Bon, je la fais pas pour l'or, hein. On est d'accord, parce que là c'est déjà mort. Faut tout bien faire. Faut être propre dans le déroulement. Ok, ça c'est nul à chier. Oh, le gros humeur. Je finirai, je pense. Oh, vous regarderez toutes les voitures vous-même. J'ai pas envie de vous les montrer toutes. Parce qu'il y a vraiment des choses sympas quand même à débloquer encore. Et on vous fera. Je pense pas mal de vidéos quand même. Y a moyen parce que... j'ai beau avoir passé déjà la cinquantaine de niveaux. Oula merde. Oula. Nul à chier. J'ai beau avoir passé la cinquantaine de niveaux. C'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Hein. Là. Ah non, non, non. Hein. Je voulais aller là-bas en fait. Très bien. Est-ce que je peux passer? Ah bah oui. Pas de problème. Je vais mettre en vue comme ça, je l'ai pas trop utilisé. Est-ce que je passe par là? C'est la grande question. Mais oui, il passe. Pas de problème. Regarde, je suis un cabri. Oui. Ça, c'est un peu abusé. Attendez. Voilà, je voulais me mettre là-haut. Faire le saut à ski. Salt Lake Resort.
C'est parti. On n'aura sûrement pas l'or parce qu'on n'a pas une voiture très rapide. Voilà, on n'a même pas eu bronze. Je m'arrête plus. Je suis un malade, moi, monsieur. Je suis un fou. Ok, on a plus de vitesse. C'est plus rigolo. Waouh. Il m'a dit... Putain, la barrière, elle m'a dit nope. Tu passes pas. Tiens, faire un peu de... De fraude. Pour finir cette vidéo. On va même enlever tout le HUD, vous savez quoi. J'en ai plus rien à battre. Où c'est là, j'essaie de conduire en même temps, c'est assez chaud. Oh, quand même. Avec la musique et tout, l'aigle. Oh putain. Aïe aïe, ça c'était un mauvais plan. C'est over stylé. Ça veut rien dire, oui je sais. En tout cas, je l'ai pas attendu pour rien ce jeu parce qu'il a vraiment quand même rempli ce que j'attendais. Une carte vaste. Comme jamais, je crois pas qu'on ait fait plus vaste hein. En termes de parcours. Il y a vraiment des choses à faire, des challenges à se fixer. Il manque plus que le multi. Lol, vous savez quoi? Je crois que la fin de la vidéo proche, on va quand même faire un petit truc. Ok, on va finir ça en vue intérieure. Je sais pas en fait, non. Je vais peut-être pas faire... Voilà, on va la descendre. Et je sais pas si ce sera la dernière. YOLO. Ouh putain. Je vole. Je vole plus. Ouh, sympa. Ok, on recommence, Osef. Le jeu, il m'a dit, tu peux recommencer. Est-ce que t'as ton... Est-ce que t'as ton jeton? Voilà, j'ai mon jeton, monsieur. On peut y aller. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Très bien. Je crois que par le théorème de Pythagore, j'ai dû revenir à l'endroit. Là. Ah, le jeu qui craque. Quoi. Ah, ils me remettent un corps, ok. Je crois que cette descente, elle peut être sympa. Ah, ouais, c'est bon, on a assez vu la neige. On va faire un petit dernier tour dans... Dans une zone... cool. Les dunes de sable. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être paru long, mais bon, les gens qui avaient envie de voir la vidéo, je pense qu'ils étaient là quand même pour le truc. Même s'il y en a plein, des vidéos comme ça, je m'en fiche. C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Et j'attends quand même tout de même bien le multifonctionnel. C'est une question de temps. Hein, c'est une question de temps. Voilà. C'est la seule chose que je dirais. Sur ce, je vais vous laisser. On aperçoit déjà Las Vegas. Le temps me prend, je dois y aller. Je vais vous dire à plus les Rogers. C'était le mat. Et il en peut plus le mat. Voilà, il doit revenir. D'accord, mon ombre qui bug. Il doit revenir sur Terre, hélas. Hein, il ne peut plus rester dans les dunes comme ça. On va essayer d'avoir un plan final stylé. Le mec il prend son temps et tout. Non, tu veux pas avoir un plan stylé? Bon, c'est pas grave. Non, mais non, reste. Bon, voilà. Très bien les Rogers. A plus.